Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier. En fait, en ce moment, je vous avoue que je suis pas trop bien. Genre, j'ai un petit coup de déprime, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être le fait que je n'ai plus cours, donc ça fait quand même plus d'un mois et demi que j'ai plus cours, donc ça me... Tu vois, ça... Tu sais, quand t'es plus active, ça donne un coup au moral, je trouve. C'est comme si t'étais au chômage. Ah, c'est... Je déteste ça, je peux pas. Donc j'ai un peu un petit coup de déprime, mais je vais essayer grâce à ce vlog d'aujourd'hui me motiver un petit peu. Donc là, le programme d'aujourd'hui, je dois aller à Belle Épine chercher ma commande que j'ai passée il y a quelques jours. C'était une commande solde, j'avais une carte cadeau et il fallait l'utiliser, donc je l'ai utilisée. Je vais peut-être faire un petit tour voilà, dans les magasins aujourd'hui à Belle Épine, ça va me faire du bien. Juste me promener, rien acheter, mais tu sais, me promener, voir autre chose, voir des nouveautés, etc. Bon, ça va faire vachement du bien au moral. Et voilà, après, dès que mon copain revient du boulot, on doit faire la cave, en espérant que les encombrants ne soient pas fermés, parce que là, si les encombrants sont fermés, ça va vite me saouler. Je vais aller chercher les gardiens pour qu'ils me les ouvrent. Parce qu'en fait, ils ferment les encombrants hyper tôt, alors que t'as des poubelles à mettre, t'as des choses à mettre à la poubelle, enfin... Tu sais, toutes tes poubelles jaunes, toutes tes poubelles vertes et tout, genre tout, et ben ils les ferment à genre midi alors que le soir on a des poubelles à mettre, tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que ça va être ouvert. Donc j'ai ma cave à trier, donc ça je pourrais pas trop vous le filmer en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit rien du tout en fait. Et c'est des affaires perso, donc ça sert à rien que je vous le montre. En fait j'ai pas mal de choses pour les travaux, donc ça je vais les redonner à mon père. J'ai les affaires du proprio là, donc ça prend trop de place. Ensuite j'ai tout ce qui est jouet pour les enfants, je vais essayer de prêter ça à ma filleule. Et après j'ai... Des conneries, mais quand je vous dis des conneries, c'est des conneries. J'ai beaucoup d'habits, donc je vais peut-être mettre tout ça sur Vinted à des prix vraiment bradés pour que vous puissiez acheter ça. Si vous les voulez pas, genre bradé c'est genre 5 euros pour moi, hein. c'est pas 2 euros ou 1 euro non plus, on va respecter mes vêtements. Mais si ça se vend pas, hop, je les donnerai à Nassau et ça sera terminé, bâclé, c'est bon, fini. Donc là j'ai pris une valise hier, une valise remplie de vêtements avec des belles vestes etc. pour pouvoir les prendre en photo et les mettre sur Vinted. Je l'ai pas encore fait parce que hier j'avais tellement de choses à faire, je devais faire toute la vaisselle. Et quand je vous dis toute la vaisselle, j'avais énormément. J'ai pu regarder deux épisodes des Princes de l'Amour genre faisant la vaisselle. Genre c'était hyper long. Bref, donc il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui et voilà quoi. Bichette. Bichette. Mon chat. Oh là 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 là, ça c'est mon petit chat. Ouais c'est mon petit chat. Oh là là c'est mon petit chat ça. Oh. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, dont ça que j'utilise fréquemment. C'est le nouveau mascara de chez Sephora, le Size Up, pour un volume extra large immédiat. Alors je l'ai testé, j'ai fait un petit avant après, je vais vous mettre la vidéo juste là. En gros ça prend bien les cils, ça les recouvre vachement bien. J'ai beaucoup aimé son application, ça fait pas, vous savez, des tours Eiffel à la place des cils. Donc ça c'est assez cool, vraiment très bien, j'ai rien à dire, il est parfait pour moi. Donc voilà la brosse, vous avez des tout petits picots en fait sur tout le long. Au début je pensais que ça allait pas trop prendre les cils, mais en fait pas du tout. Ça les prend vraiment très très bien et vraiment très content de ce mascara. C'est une nouveauté et coûte pas cher. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je suis assez difficile dans les mascaras. Il y en a pas beaucoup que j'aime. Mais celui-là j'aime beaucoup. Ensuite ça je voulais montrer sur Instagram parce que j'étais trop contente de les avoir reçus. Donc j'en ai un autre juste là avec des photos de moi et de mon chéri. Donc je vais pas vous les montrer mais j'ai marqué fiancé. Comme ça je vais garder ça en souvenir. Mais j'ai fait pas mal de photos avec Bichette. Regardez comment il est beau. Il est trop mignon. Ce petit beau boy. Et les bichouquettes, donc Bichette. Ensuite j'ai pris des photos de chez Angelica, je sais pas si vous connaissez cette fille sur Instagram. Vraiment ces photos sont magnifiques, la preuve je les ai imprimées tellement qu'elles sont belles. Donc tout ça c'est elle qui les prend en photo, enfin je trouve ça magnifique. La qualité est vraiment super bien, mais j'adore ces photos, c'est magnifique. Tout ça c'est elle là, c'est vraiment d'une qualité vraiment géniale. Après il y a Chouquette. Et il y a encore elle. Franchement, j'adore ces photos. C'est magnifique. Et ensuite, j'ai pris une photo avec Bichette, une photo avec Chouquette, une photo avec Bichette et après les citrouilles, donc les bichouquettes. Donc voilà, j'ai pris ce genre de photos et je trouve ça vraiment super joli ce style de photo. Enfin, c'est assez original. Et si tu veux offrir ça à quelqu'un, au moins, c'est original. T'as plusieurs photos. Tu peux faire en marque-page, tu peux la mettre sur ton frigo, tu peux faire n'importe quoi. Genre, moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Maintenant, j'ai un code promo pour vous. N'hésitez pas à l'utiliser pour faire un album photo de Noël ou choses comme ça, imprimer vos photos de Noël. Moi, c'est ce que je fais chaque année. Donc après, je vais en racheter et je vais imprimer mes petites photos que j'ai faites à Noël. Mais j'adore, vraiment j'adore. Donc mon code promo c'est Pandapi. Ça a toujours été le même. Vous avez été nombreux à me dire qu'il fonctionnait plus, mais là, c'est
c'est bon, il a été renouvelé, donc il remarche. Donc ça, le code PANDAPI, ça vous offre 8€ de remise sur votre première commande. Et si vous avez déjà passé commande, vous avez moins 25%. Donc voilà. Bon voilà, je me suis un peu apprêtée, je me suis maquillée, j'ai mis le mascara de chez Sephora. J'aime trop, il est archi beau. Vraiment, trop beau. Je voulais vous montrer des bougies que j'avais achetées la dernière fois et vous donner mon avis là-dessus. Alors celle-ci, je l'ai finie, c'est la Glittering Star, étoile scintillante. Elle n'a rien senti, mais quand je dis rien, c'est genre, pourtant je suis dans un 30 mètres carrés, la pièce elle est petite, normalement on sent bien l'odeur, mais là je n'ai rien senti, et là celle-là c'est le néant, vraiment c'est le néant, c'est plus le côté joli que le côté senteur, ça ne sent absolument rien, c'est le bois soyeux, ça ne sent rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est genre rien du tout. Donc je suis un peu déçue de Yankee Candle là-dessus parce que quand même ça coûte cher ce genre de bougie. Enfin, celle-là je vous les déconseille parce que ça sent vraiment pas grand-chose. On se retrouve à Belle Épine avec mon portable. J'espère que vous allez m'entendre, que je vais filmer quelque chose, s'il y a des choses intéressantes. Et on se retrouve de toute façon à la maison où je vais vous montrer les petits articles que j'ai achetés. Juste avant, je voulais vous montrer ça, le manteau que je porte tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question d'où il vient. Il vient de chez Zafoul. Je l'ai mis tout l'automne et début hiver. Je le mets tout le temps et il est vraiment très bien à l'intérieur. Là, c'est moutmout. Vraiment, il tient hyper chaud, il est hyper agréable, il est pas lourd à porter. Vraiment, c'est un super bon manteau, donc je vous le conseille vivement. Il est très très bien et je porte que ça depuis que je l'ai en fait. Bon bah voilà, je trouve pas mon passe Navigo, je vais encore me taper une après-midi avec les gosses qui gueulent, franchement. Je vous jure, j'en peux plus, dès que je fais un effort, j'essaie de me bouger un peu, bah je dis encore un truc qui bloque. Je suis sûr que je l'ai perdu dans la rue, je sais pas, il est tombé, j'en sais rien, ça me saoule. Je vous jure, j'en peux plus là, je suis au bout, je suis vraiment à bout, j'ai pas de place pour passer parce qu'il y a tellement de choses dans les entrées que je peux même pas passer. Ça me saoule vraiment, je suis à bout. Vraiment, je vous le dis, je suis à bout quoi. C'est vivement que je déménage parce que j'en peux plus. Bah tant pis, j'y vais quand même, hein. C'est pas grave, écoutez. Je vais pas pouvoir aller au boulot, je vais pas pouvoir. Ah, ça me saoule vraiment, ça me saoule. Je viens donc de rentrer, donc j'ai dû acheter des tickets de métro, c'était génial, j'ai adoré. 4 balles pour aller chercher un colis, bref, j'adore. Mais je pense que je vais m'acheter la trottinette électrique, parce que mon copain il a ça, la trottinette électrique là de chez Xiaomi. Elle est vraiment géniale, moi j'utilise pour aller au boulot quand il va pas au boulot avec. Et lui il va au boulot avec ça, vraiment c'est génial, je vais chez ma soeur en trottinette, ça me met 5 minutes alors que d'habitude on y va en voiture c'est 10 minutes. C'est assez cher en soi.
Mais c'est hyper pratique, je trouve. Je trouve que c'est plus rapide que les transports en commun. C'est plus. Ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais m'acheter une trottinette électrique ou peut-être la demander pour mon anniversaire. Mais vraiment, c'est un très bel investissement. Je suis pas du tout déçue de cette marque-là, Xiaomi. J'ai mon téléphone Xiaomi, j'ai la trottinette Xiaomi. Vraiment, je suis pas du tout déçue. Ma soeur, elle a l'aspirateur Xiaomi, elle est pas du tout déçue non plus. Donc, vraiment, une très bonne marque. Hein, donc, j'hésite à me l'acheter. On verra ça. Bref, j'ai acheté à la boulangerie des petits trucs pour mon copain et moi. Je me suis un peu énervée tout à l'heure au téléphone avec mon copain parce que j'étais vénère. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, bah, je pars au quart de tour, moi. Donc, pour me faire pardonner, j'ai pris ça. Oh non! C'est tombé. Oh non! Donc, je lui ai pris ça. Donc, malheureusement, c'est tombé dans mon petit truc comme ça là, mais bon c'est pas grave, moi je me suis pris ça pour moi, c'est super bon. Donc voilà, je vais manger ça ce midi, enfin ce midi là il est 15h30, j'ai pas mangé ce midi donc je vais manger ça. Et voici, en tout cas Bichette il a pas bougé depuis tout à l'heure, il est toujours là-bas. Et j'ai pris donc ma commande chez Jennifer. Donc il y avait pas mal de belles promotions je trouve à City Déco, c'est là où il y avait les lamp candles à moins 50%. Ensuite à Sephora, bah, il y avait toujours les mêmes produits quasiment, voilà. À H&M Home j'ai vu un super beau vase parce qu'en fait j'ai cassé mon vase, il est tombé sur mes pieds donc il s'est brisé en 1000 morceaux sur mes pieds. Et j'ai trouvé super beau et tout, mais quand j'ai vu la queue à H&M, genre la queue était encore plus longue que celui de Primark, genre hyper longue, donc je me suis dit vas-y next. J'avais vu un beau bouquet de fleurs à Carrefour, mais je me suis dit j'ai pas de vase donc ça sert à rien. Donc je suis retournée à la maison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis pris un manteau, c'est le manteau avec la collection avec The Doll Beauty. J'ai beaucoup aimé sa collection et elle était en bonne promo et là je me suis pris juste un manteau. Parce que sinon ça faisait un peu trop cher. Tout est à moins 50% et j'ai pris ma taille habituelle, taille M. Donc là c'était 45€, je l'ai eu à 27. Ouais, il a l'air hyper bien rembourré, enfin il a l'air hyper chaud. Je pense que je vais le mettre demain pour aller à Disney parce que demain je vais à Disney donc je suis trop contente. Vous savez c'est les places que j'ai achetées pour mon copain pour son Noël. Donc voilà, on va aller à Disney demain en amoureux, ça va être trop bien. Voilà. Ensuite, oh il est trop mignon. Je pensais qu'il était un peu plus gros, je vous avoue. Mais il est trop mignon. C'est un petit sac comme ceci, un petit sac effet sport, vous savez, hyper joli. Et l'intérieur, je pense qu'il y avait une bandoulière. Ah oui, voilà, il y a une bandoulière et vraiment trop mignon. Je suis en amour. Donc il m'a coûté 6€, mais je trouve ça trop chou. Vous voyez pas grand-chose à la caméra, j'ai l'impression. Trop mignon, j'adore. Ensuite, je me suis pris un pyjama panda, bien évidemment. Il y a marqué Wonder Panda. Ça m'a coûté 6€, trop joli, et vous avez le pantalon avec normalement, donc ça je l'ai pris en taille M aussi, et le pantalon, enfin, c'est un pantalon basique, un petit jogging et tout, ah je trouve ça trop mignon, je vais le mettre ce soir, tiens. Pourquoi il gueule en fait, je comprends pas. Ah je suis à bout, hein. Je vous jure je n'en peux plus. Et donc bah voilà, la qualité est vraiment super bien, hyper douce, donc je vais l'essayer, tiens. On va regarder ça avec le manteau. Et bah écoutez, c'est validé pour moi, il est très très bien, j'adore le petit col là, je trouve ça trop joli. Il taille bien, il est très doux, il gratte pas, vraiment j'aime beaucoup. Bon alors je sais pas trop ce que j'en pense, je trouve un peu grand, je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai un petit pull en dessous, donc je sais pas. Mais je trouve un tout petit peu grand, je sais pas si je garde parce que ça fait vachement gros, ça fait vachement volumineux. Même si je resserre sur le bas, ça fait un peu boubou. Donc je ne sais pas. Je pense que j'irai me le faire rembourser parce que 27€ pour un manteau où t'as pas trop de coup de cœur, bon, ça sert à rien. Donc je vais me faire rembourser. Donc là, il y a mon copain qui va arriver. Je vais aller faire la cave. Je vais vous laisser maintenant parce que la cave, je sens que je vais m'amuser. Donc je vais manger mon petit dessert. Et puis voilà. Plus je suis là avec mon étiquette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.